Alors, dis à quelqu'un auprès de toi, Dieu n'est pas responsable de tes maux. Tell your neighbor, God is not responsible from your problem. Non, non, ouvre la bouche et dis-le lui avec une grande conviction. God is not responsible for your problems. Dis-le à gauche et dis-le à droite. Dieu n'est pas responsable de tes maux. Tell it to your neighbor at right and at left. God is not responsible for your problems. Et il faut qu'on soit clair parce que on a tendance à tout mettre sur Dieu. We have to be clear because sometimes we lay the blame on God. Mais Dieu n'est pas responsable de tout. But God is not responsible for all. Non. No. L'univers dans lequel on est, the universe in which we live, a trois dimensions. Has three dimensions. Vous avez ce qu'on appelle premièrement le règne de Dieu. You have first of all what you call the reign of God. Dans le règne de Dieu, Dieu est à un règne absolu. In the reign of God, God has an absolute reign. Ensuite, and next, vous avez ce qu'on appelle le règne spirituel. You have what we call the spiritual realm. Bon, au départ, on a cru que Dieu était dans le règne spirituel. We felt in the beginning that God was in the spiritual realm. Mais quand vous creusez les Écritures, but when you go deeper in the scriptures, vous rendez compte que Dieu est le maître et le créateur des esprits. You realize that God is the master and the creator of the spirit. Genèse 1:1 dit qu'il existait avant la création des cieux et de la terre. Genesis said that before we have a creation of the heavens and of earth. Donc c'est clair. It is que clear. Même le troisième ciel, even the third heaven, que nous considérons comme étant le lieu où Dieu habite. That we think that it is the place where God lives. J'aimerais vous dire qu'avant la création de ce troisième ciel, Dieu était ailleurs. I would like to tell you that before the creation of the third heaven, God was somewhere else. Ce qui veut dire tout simplement, it simply means que dans le troisième ciel, nous avons une représentation de Dieu. That in the third Je vais heaven, dire ça comme ça. In the third heaven, we have only a representation of God. Écoutez-moi très bien. Listen to me carefully. Le règne de Dieu est le règne dans lequel il est le maître absolu. God is absolute master in his realm. Le règne spirituel, the spiritual realm, en dessous du règne de Dieu, down est le règne dans lequel God, vous avez les esprits, les anges, les démons et tout ce que vous voulez. In the place where we have the angels and the demons and the et après everyone. Vous avez le règne des humains. And next we have the human realm. Ça c'est la terre. It is the earth. Quand Dieu parle, il parle dans son règne. When God speaks, he speaks pour in que his la realm. Parole nous atteigne dans le règne humain, for the world to reach us in the human faut qu'elle realm, transite par le règne spirituel. It need to pass by the spiritual realm. Et c'est là qu'on trouve le monde de toutes les possibilités. It is where we find the world of all kind of possibility. Parce que tout ce qui se passe sur la terre, because all of it take place on earth, viendra du règne des esprits. Will come from the realm of a spirit. Dites-moi amen. Say amen. C'est pourquoi tu as ma permission en touchant quelqu'un, dis-lui, tu ne peux pas vivre sur terre comme juste un humain. Tu dois entrer en esprit pour pouvoir posséder dans l'humanité. Tell your neighbor, you cannot live on earth just as a human. Live as a spirit to possess the humanity. Répète live ça. As a spirit on humanity. Qui me comprend jusque-là? Who can get what I'm saying? Alléluia. Voilà. Alors, où est-ce que je vous conduis ce soir? Where am I leading you tonight? J'ai juste envie de vous dire, I just want to say, que Dieu n'est pas nécessairement responsable de certaines souffrances dans nos vies. That God is not responsible for some suffering in our life. Le principe des autels, the principle of altars, est un principe important dans la spiritualité divine. Is an important issue in divine spirituality. Un principe à comprendre pour expérimenter la gloire de Dieu. It is an it is a principle to understand in order to experience the glory of God. Écoutez ceci. Listen to this. Lorsque nous lisons Lamentations, chapitre 5, versets 1 à 17. When we read Lamentation, chapter 5, verse 17. Lamentation de Jérémie. Lamentation of Jeremiah. Il est dit ceci. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père, nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Et au verset 7, il dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. Et c'est que les renards s'y promènent. Dis avec moi, les petits renards s'y promènent. Jackals prowling. Alors, qu'est-ce qu'on a exactement ici? What do we have exactly here? On a l'information que
Israël a été détruit dans ce contexte. In this context, we had information that Israel was destroyed. À cause des fautes de leurs parents. Because of the mistakes of the parents. Dieu pardonne le péché. God forgives the sin. Mais l'iniquité. But the iniquity. Dans cette dimension qui est le péché générationnel. Which is a generational sin. Est une force utilisée par des autels de famille pour punir ceux qui viennent après. Is a strength used by the altar of the family to punish those coming. À partir de l'iniquité. But from the iniquity. Des générations entières peuvent être punies. Whole generation can be punished. Et détruites. And destroyed. Simplement. Parce que quelqu'un a causé un malheur qui a été enregistré par un autel. Simply because somebody brought about a misfortune which was recorded by an altar. J'ai envie de vous donner un exemple. I would like to give you an example. Concernant la punition des autels. Concerning the punishment of altars. Vous avez étudié l'histoire d'Abraham. You studied the history of Abraham. Dans le dernier verset du chapitre 11, in the last verse of chapter 11, il nous est raconté que la femme d'Abraham était stérile. It is said that Abraham's woman was barren. Elle s'appelle comment? What's his name? Sarah. Her name was Sarah. Et quand vous étudiez la descendance d'Abraham, when you studied the descendant of Abraham, by Isaac, vous allez vous rendre compte que Rebecca, la femme d'Isaac, également va être stérile pendant 20 ans. You noted that Rebecca, the wife of Abraham, will be barren for 20 years. Troisième génération. Third generation. Jacob va épouser Rachel. Jacob will marry Rachel, qui était également stérile. Who was also barren. Sur trois générations. Over three generations. Ce n'est pas le hasard. It's not just random. La base de la stérilité dans cette famille venait justement du sang. The root of barrenness was from the blood. Et Dieu a dit à Abraham, and God said to Abraham, quitte ta parenté. Leave your family. Mais vous remarquerez que ces deux autres personnes, dans les deux générations plus tard, quand elles devaient se marier, elles sont revenues dans la parenté, revenues en famille. But you notice that when they were about to get married, they came back to the family. Quand Dieu dit pars, when God said leave, il ne t'explique pas le problème. He didn't explain you the issue. Mais quand tu reviens, but when you come back, tu reviens sur le même problème. You come back on the same issue. Ils sont remontés de la famille sur trois générations avec la stérilité. They went back to the generation with barrenness for. Abraham était loin. Abraham was anointed. Abraham avait des promesses. He had some promises. Mais cela n'empêcha pas. But it didn't prevent. Abraham et son sang. Abraham and his blood. De tomber dans ce cas d'espèce sous la punition d'un autel. To fall under the punishment of an altar. Qui rendait les épouses stériles. Which brought about. Et Abraham est tombé sur un autel qui a puni sa descendance à devenir esclave pendant 4 siècles. And he fell on an altar which punished his descendant to be in slavery for 400 years. 4 siècles. 400 centuries. Genèse chapitre 15. Genesis chapter 15. Et il a accepté cela. And he has accepted it. En fait, ma pensée, elle est simple ce soir. My thought is simple tonight. Je me pose la question de savoir d'où est-ce que tu viens exactement. I'm asking myself, where are you from exactly? Et qu'est-ce qui a été enregistré sur les autels qui tiennent ton sang? And what has been recorded on the altar holding your blood? Parce que ton sang n'est même pas le tien. Because your blood doesn't belong to you. C'est le sang de ton père et de ta mère. It's the blood of your father and mother. Ce sont leurs gènes, ce sont leurs chromosomes. The genes and the chromosomes. À partir du moment où tu continues leur histoire, from the fact that you carry on the history, ce qui est en eux est en toi. What is in them is also in you. Et le problème, c'est justement que leur sang a pactisé avec des autels. And the issue is that the blood qui ont établi des lignes de limitation, the blood established line of limitation, et qui ont tracé, n'est-ce pas, jusqu'où vous devez vous arrêter dans la vie. And also draw where you have to stop in life. Alléluia. Israël sème. Israel sow. Et d'autres personnes pillent. And other people come and loot it. Regarde ton voisin, dis-le plus jamais ça dans ma vie. Plus jamais. Say to your neighbor, never more in my life. Produisent des efforts, make this effort, aucun résultat, and no answer. Les résultats vont ailleurs.
The answer go elsewhere. Permutation. Permutation. Les résultats vont ailleurs. Your answers go elsewhere. Permutation. Permutation. Les résultats vont ailleurs. Your answers go elsewhere. Permutation. Permutation. Ces réalités sont sponsorisées par des hôtels. These realities are financed by altars. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Do you understand what I'm saying? C'est pourquoi ma pensée elle est simple ce soir. That's why my thought is simple tonight. Ce que les hôtels disent, what the altars say, de négatif sur ta vie, negatively on your life, pour exercer une punition. To let's say, execute the c'est punishment. Exactement ce que je veux supprimer de ta vie ce soir. It is exactly what I would like to stop in your life. La qualité de votre amen détermine votre accessibilité à cette vie. Qu'est-ce qu'ils disent? What do they say? Sur toi. On you. La ligne de démarcation, la ligne est tracée. The line is drawn. Impossible. Impossible. De prospérer. To be prosperous. Impossible d'enfanter. Impossible to have a child. Tu as le Saint-Esprit, tu parles en langue, tu meurs, tu vas au ciel. You have a God, Holy Ghost, you speak in tongue, you die, you c'est, go to the heaven. C'est pas de ça que je parle. It's not what I'm talking about. Je te parle du règne sur la terre parce que Dieu t'a donné la terre. I'm talking about your reign on earth because God has given you the earth. Et donc, ce qui se passe ici, tu as des responsabilités. Sur le plan personnel, tu as des choses à faire pour que les choses aillent dans ta direction, travaillent en ta faveur. It means that you have a responsibility, a role to play for things to come true in your life. C'est de ça que je te parle ce soir. It's what I'm talking about tonight. Personnellement, personally, j'ignorais pendant les 13 premières années. Non, j'ai souffert du principe des hôtels et des punitions des hôtels pendant les 13 premières années de mon ministère en tant que pasteur. I suffered for the principle of altar during the first 13 years of my, let's say, ministry as a pastor. Parce que j'ignorais, because I ignored certaines vérités, some truths. J'avais le Saint-Esprit, je priais, les gens étaient bénis. I had the Holy Ghost, I prayed, people were blessed. Mais moi-même en retour, but me myself, c'était catastrophique. It was really difficult. C'était catastrophique, c'était difficile. It was really difficult. J'ai dû étudier en fait l'histoire de mon sang. I had to study the history of my blood. Pour comprendre pourquoi est-ce que je vivais de telles difficultés. To understand why I was going such hardships. Imaginez, j'ai un background musulman. My background is Muslim. I'm come from Muslim family. Mon grand-père avait deux femmes. My grandfather has two wives. Donc quelqu'un dit lui tu n'en as pas le droit d'en avoir deux. Tell someone you don't have the right to have two wives. Tu n'as pas le droit d'en avoir deux. You don't have the right to have two wives. Mon grand-père, my grandfather, en avait deux. Had two. Parce que dans l'islam, c'est permis. Because it was possible in Islam. Est-ce que vous me comprenez? Grand-père paternel. My paternal grandfather. Il a eu 15 enfants. He had 15 children. 7 du côté de mon père. 7 from the side of my father. 8 du côté de la deuxième femme. 8 for the side of the second wife. Les 15. The 15. Sur les 15 du côté de mon père, il n'en reste qu'un seul. Out of the 15, only one remains. Et du côté de la deuxième femme, les 8 sont bel et bien en place. And by the side of the second wife, the 8 are present. Or are still alive. Et vous savez quoi? And you know what? Aucun membre de la famille. No member of the family. Après des études respectables pour certains. After, donc mon père aussi. After good studies or good education. Aucun membre de la famille était arrivé à un point où on pouvait compter sur lui financièrement. No member has reached the level where we can really count on him financially speaking. Ils sont 15. They are 15. Tout le monde est pauvre. Everybody is poor. Le problème, c'était lequel? What was the issue? Je l'ai observé dans la vie de mon père. I noticed it in the life of my father. Il était numéro 2 d'une entreprise de construction. He was at the second position of a company of a building. Ils ont construit des bâtiments très importants ici à Abidjan, même au plateau, Nour Alayat. They built many buildings here in Abidjan. Et papa est mort. And daddy died. Sans avoir achevé de bâtir une maison pour lui. Without completing the building of a house for himself. En ayant réussi, having succeeded, à bâtir des maisons pour ses amis. To build houses for his friends. Sur les 15, out of the 15, personne n'a une maison. No one has a house. Hmm?
dis à quelqu'un, ce sont les chromosomes d'un tel monsieur qui sont en moi. Tell someone, hey, the chromosome of such a person that I bear, or I have in me. En plus du Saint-Esprit que j'ai. Added to the Holy Ghost that I have. Vous me comprenez? Do you understand what I'm saying? Donc j'ai localisé. I've located. Que cette situation est anormale, mais c'est une punition. I found out that it was de certains esprits sur ce sang-là pour les empêcher d'avoir ce type de grâce. It was just a punishment of the spirit for those people. Deuxième problème. Second issue. J'ai observé. I observed qu'il n'y avait pas de mariage légal. That there were no legal marriage. J'ai même une tante qui a perdu ses trois premiers maris. I even have an aunt who lost her. D'une manière étrange. Strangely, quand j'ai analysé la situation, when I make an analysis of the j'ai situation, compris qu'en esprit, il a été supprimé par la punition des hôtels de famille. That, un mari de nuit qui a fait ça. Yeah, that it was the responsibility of a night husband to prevent him to have marriage. Écoutez-moi très bien. Listen, je vais être pratique. I would like to be practical. Il y avait pas de mariage. No marriage. Il y avait pas de finances. No finance, no money. Moi-même, en tant que pasteur, as a pastor, me, en 2008, in 2008, j'ai eu une opportunité avec quelqu'un qui est venu vers moi. I had an opportunity with somebody who came to me, et qui m'a dit, je vois que tu fais beaucoup de campagnes d'évangélisation, je veux t'aider financièrement. And said, I would like to help you because you have many evangelism campaigns. J'ai dit, ok, on y va. I said, okay, let's go. Il me dit, he said to me, pour faire ça, je le fais avec, il m'a cité un certain nombre de personnes connues en Côte d'Ivoire. He gave me the name of some of his partners that I know. Dit, bon, on va essayer. On fait un conteneur de 40 pieds de noix de coco. We have a container of coconuts. Je vous promets, il m'a fait visiter tout le littoral ivoirien. On est parti de Jacquesville, derrière Jacquesville, jusqu'à Tiapoum, Côte-Oignan, jusqu'à la frontière du Ghana. He make me et je marchais dans la forêt en oubliant la phobie des serpents. We went to the bush to cut the coconut and I went there without forgetting et that. On a réussi ça. I was afraid of a snake. Le conteneur est parti en Pologne. And the continent went c'était to une multinationale, une société multinationale. C'était reconnu, connu et reconnu. It is a well-known le multinational. Le DG était en français, mais en Pologne. The manager was avec qui je parlais. Was living in France and le I was having est a arrivé. With him. The continent came quelques jours après la foire qui avait été organisée sur laquelle les noix de coco devaient être vendues. Days le after conteneur the fair, a pris du retard. Le navire a pris du retard. The continent didn't come early. Point 2. Second thing. Quand j'ai eu le DG, il m'a dit, c'est pas grave. On va écouler la marchandise sur tel marché. Quand il a fini de me le dire, d'ici 24, c'est-à-dire 24 heures plus tard, 24 hours later when I met the manager of the company, il a été renvoyé. He was dismissed, he was fired of the company. Je dis, I said, il a été renvoyé. He was fired. 2008, 2008, 2022, 2022. Le Djula dit al moro. Ça veut dire même 5 francs. Even a penny. I couldn't have it on me. Je n'ai pas reçu cela. I didn't have any penny. Je priais et des paralytiques marchaient. I was praying and the cripple could walk. Des sourds entendaient. Dumb could hear. Et je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive moi? I asked the Lord, what's happening to me? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? What's wrong with me? Il m'a dit, écoute-moi. He said, listen to me. Il y a une chose que tu confonds. There's something that you confuse. Il y a la loi de l'esprit. We are the law of a spirit. Moi, Dieu, je vis dans ton esprit. I, God, I live in your spirit. Parce que je suis esprit. Because I'm spirit. Mais en toi, il y a trois compartiments. But in you, we have three parts. Tu as une âme. You have a soul. Et tu as un corps. And you have a body. Au niveau de ton âme, at the level of your soul, c'est le sang. It is blood. Le sang ne vient pas du ciel. The blood doesn't come from the heaven. Le sang est le produit de la jonction des chromosomes de ton père et de ta mère. 23-23. The blood is a mix of the chromosomes of your father and the mother. 23-23. Et ton squelette est formé par ces chromosomes. And your skeleton is made by these chromosomes. Donc ce qui bâtit ta chair, what builds your body, combinaison du corps et de l'âme, the combination of the soul and the ça body vient de la terre. Come from the earth. Moi, je vis dans ton esprit. I live in your spirit. L'histoire de ton sang, the history of your blood, est en toi. Is in you. Et tu es en train d'être combattu and you being fought et puni.
punis and punished par des esprits by spirits qui proviennent des autels coming de la maison de ton père. Coming from the altar, the house of your father. Oint et limité. Anointed and limited. Oint. Anointed et limité. And limited. Dis-le à quelqu'un. Oint. Tell it to somebody. Anointed et limité. And limited. Frère. Brethren. J'ai commencé à me battre contre ces problèmes. I started to fight against those issues. D'une manière très sérieuse dans la prière. Seriously in prayer. Et c'est là que j'ai appris les règles, les principes et les lois de Dieu. And it's where I learned the principles and the laws of God. Parce que la prière avec la bouche ne répond pas à toutes les situations qui se présentent à toi. Because prayer in your mouth doesn't give an answer to any kind of situation. Dieu est un Dieu de loi. God is a God of law. Dieu est loi. God is law. J'avais jeûné 40 jours, 43 jours sans manger. I fasted 43 days without eating. Ça n'a pas changé la situation. It didn't even change anything. J'ai jeûné pendant 5 ans. I fasted for 5 years. Ça n'a pas changé la situation. It didn't change anything. J'aurais des miracles. Mais quand tu rentres, tu es malheureux. Un jour, j'ai été tellement blessé. I was so hurt one day. J'ai prié pour un monsieur. I prayed for somebody. Qui est venu chez moi en pleurs. Who came to me crying, qui est resté dans mon salon jusqu'à 2h du matin. Stayed in my living room till 2 a.m. Et je priais de tout mon cœur. And I was praying strongly. Quand il est sorti de mon salon, le lendemain matin, il a eu 8 millions. The following day, he had 8 million. À l'époque, c'était énorme. At that time, it was really an important sum of money. Il a eu 8 millions. He had 8 million. Le dimanche qui a suivi, the Sunday that followed, je n'ai plus revu le monsieur au culte. I didn't see him anymore. Sa femme est venue vers moi. His woman came to me, wife. Elle came m'a to dit, me, she told me, il est retourné où il allait quelques années avant. He went back where he used to go years later, years back. En fait, je n'avais pas compris. I didn't understand. Et elle me dit, and she said, la première chose qu'il a faite arriver là-bas, c'est qu'il a payé la dîme. The first thing he did when he went back, he paid the tithe. J'ai compris que le problème c'était pas le monsieur. I understood that the problem was not the guy. C'est moi qui n'avais pas certains droits. It was I who didn't have some rights. Je prends des exemples sur moi-même. Hein. Just example about myself. J'ai compris que le monsieur, c'est vrai que le monsieur a ses problèmes, mais dans ce cas d'espèce, I know that in this s'il est allé que la première chose c'est qu'il a payé sa dîme, ça veut dire qu'il était conscient de ce qu'il devait faire. If he paid it, he tied me that. Et pourquoi he knows what il ne le fait pas vers moi à l'époque, c'était énorme. Why didn't he pay the tithe with me? Parce que j'avais des limitations. Because mais I just have some limitations. Le sang qu'on avait n'avait pas le droit de toucher de l'argent à un certain niveau. The blood that we have didn't give us the right to touch money at a certain level. Donc quand j'arrivais à économiser, ce conteneur est venu en fait piller toutes mes économies jusqu'au dernier centime et je me suis retrouvé à la case de départ sans rien du tout. Oint, limité et pillé par des forces que j'ignorais. This business came to steal all my money because of my blood and I was anointed and limited. Crois-moi. Believe me. Quand moi j'aurais déposé ce micro, after I drop this mic, si tu étais dans le même cas, if you are living the same situation, cela ne t'arrivera plus jamais. It will never happen to you. La qualité de ton amen là, c'est tellement bas que je n'arrive plus. Donc ces esprits avaient tracé des limitations, des lignes. The spirit has drawn some lines. Où tout le monde devait s'arrêter là. Where everybody has to stop. Je vous le dis honnêtement. I'm telling you honestly, quand j'ai commencé à appliquer certaines règles, when I started to apply some certaines lois de Dieu, some laws of God, tout ce qui avait limité et bloqué mes parents, all that limited and stopped my parents, est passé derrière. Passed behind. Et j'ai commencé à briser des barrières, and I started to break the barriers, à franchir des lignes infranchissables, to cross some et à atteindre les niveaux où je crois de tout mon cœur, je suis même 10 générations. Personne n'est arrivé à ce niveau-là. And to reach the level et quand je vous parle ainsi, je vous parle ainsi en tout, spirituellement, matériellement, financièrement, intellectuellement, je sais pas, en tout, à tous les niveaux,
J'ai franchi toutes les lignes. Je m'appuierai sur cette expérience et cette onction. Et ce soir, je libérerai la grâce pour que tu franchisses également les mêmes barrières. Lève la main, donne-moi un amen majeur et reçois ta part. I put break all the barriers of financially, spiritually, and tonight écoute-moi très bien. Listen to me. Je ne sais pas ce qui t'avait maintenu. I don't know what hold you. Si tu veux être honnête avec toi-même, if you want to be honest with yourself, tu peux réaliser qu'il y a des domaines dans ta vie quand tu veux avancer, il y a comme un mur qui se dresse devant toi et tu n'arrives pas à les franchir. You notice some walls ahead of you where you want to cross. Ce mur en fait est une punition. This wall is just a punishment. Des autels de ta famille, c'est une barrière. From the altar of your family, that's a barrier. Crois-moi ce soir. Believe me tonight. Quelle que soit la force de cette barrière, elle tombera devant le nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'elle tombera devant le nom de Jésus-Christ. Je parle à une personne qui réussira à partir d'aujourd'hui à franchir des barrières infranchissables. I'm talking to somebody who will succeed to break the barriers. Qui a déclaré amen et je libère la révélation? Say amen and I release. Écoute-moi très bien. Listen to me well. Ces malédictions générationnelles. The generational curses. Là où vous trouvez pardon, une malédiction générationnelle, vous trouvez un autel qui punit des hommes. Where you have a generational curse, you have an altar punishing men. Je vais vous donner mon expérience. My experience now. Une fois, j'ai vu en rêve. One day I saw in dream. Une dame très âgée. An old lady. Je ne pouvais pas définir son âge. I could not say her age. Mais à la voir. But when I see her, elle ressemble à quelqu'un qui a plusieurs siècles. She looked like somebody who has many centuries. Et quand vous la voyez, vous êtes dans l'effroi. Vous êtes même effrayé. And when you see her, you seem to be really frightened. Une dame comme ça se présente à moi. Such a lady came to me in dream. Elle me tend un verre. She gave me a glass. Et dans le verre, il y a comme un liquide orange. And there is an orange liquid in this glass. Et elle me dit bois. And she asked me to drink. Et elle dégageait une énergie, une force surnaturelle incroyable. And she has a kind of unbelievable supernatural strength. J'étais dans le rêve et in a dream, et c'est comme il y a une voix qui me disait. As if a voice was telling me. Tu vois cette dame? You see that lady? Elle a partagé cette coupe de génération en génération dans ta famille. She shared this cup from generation to generation. Et elle est arrivée à ton niveau. And she now reached tout a level. Évêque que tu es. As a bishop you. Elle m'a tendu ce verre. She gave me et glass, j'ai entendu and I heard, si tu bois if you drink, ou si même une goutte de ce liquide touche ta langue even if a drop of this liquid touch automatiquement your tongue, tu as le diabète. J'ai dit au Seigneur explique-moi. I asked the Lord to explain. Il dit c'est cette dame said, that lady qui a puni ton sang who punished your blood sur plusieurs générations over many generations. Elle est une malédiction générationnelle. She is a generational curse. Qui donne cette maladie de génération en génération aux membres de ta famille. Giving this sickness from generation c'est to generation. Une gardienne de l'autel de la maison de ton père. She is a keeper of the altar of your father. Et elle a reçu la mission de punir and she has a mission, the assignment toutes les to générations punish. Après eux all the generation after them, en leur donnant de boire cette coupe. By giving them to drink of that cup. Oh, lève la main et crie miséricorde, Seigneur. Say mercy. Lift up your hand and say mercy. Ce que je suis en train de te dire là, ça fait pas 2 ans. It's not 2 years what I'm saying. Je dis lève la main et crie miséricorde, Seigneur. Say mercy, Lord. Quand des gens ne comprennent pas la spiritualité, when people don't understand spirituality, ils pensent que les choses arrivent comme ça. They think that thing happened at random. Elle était vieille cette dame. She was really old. Et elle dégageait une certaine autorité. And she has a kind of authority. Écoute-moi. Listen to me. Je ne sais pas. I don't quels know. Sont les esprits qui agissent de génération en génération pour punir ton sang? I don't know the spirit acting. Mais ce soir, but tonight, leur punition va partir loin de ta vie. The punishment will disappear. Tu n'as pas déclaré un amen majeur. Say amen. Tu ne seras pas le puni, tu seras le libre parmi les punis.
Tu seras l'exception à la règle parmi les punis. La punition de la destruction ne marchera pas à ton niveau au nom de Jésus-Christ. Punishment won't ne marchera pas à ton niveau au nom de Jésus-Christ. Lève la main, criez liberté, liberté, liberté. Freedom. Freedom, freedom. Les gens ne comprennent pas pourquoi, malgré leur diplôme important, people don't understand that why, despite the pourquoi malgré levels, leur connaissance, why, despite the knowledge, ils rencontrent des obstacles qu'ils n'arrivent même pas à expliquer. They meet difficulties that they cannot explain. Est-ce que tu sais d'où tu viens? Do you know where you are from? Moi, j'ai étudié mon sang. J'ai étudié l'histoire de ma famille. I studied the history of my family. Et j'ai traité maintenant toutes les limites que j'ai trouvées dans la vie des autres. And I dealt with all the limitations I found in others' lives. Pour pouvoir aller plus loin. To be able to go far. Ça, c'est du côté de papa, du côté de maman. From the side of my mother. Et du côté de maman, vous allez trouver, il n'y a aucune femme. No woman in this side. Sortie de ma grand-mère, direct. Coming from my grandmother. Qui est mariée. Who is married. Aucune. No. Elles sont belles. They're really beautiful. Je vous le promets. Ma grand-mère, elle est très métissée. My grandmother is like a mestizo. C'est vraiment une belle femme. She's really a beautiful woman. Je ne le dis pas parce que c'est ma grand-mère. Je le dis parce que c'est vrai. I'm not saying it because she's my grandmother, but because it's true. Ce sont les premières femmes qui sont là à l'école ici. Ma grand-mère l'a fait piger en 1954. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà, c'était les premières femmes de la Côte d'Ivoire, de la haute société. The first woman la mère of the high de ma mère, class. Ma grand-mère, direct. My grandmother was from a high class in this country. Mais quand j'étudie sa vie, but when I study her life, bah c'est une femme qui a tout eu dans sa vie. She elle has a tout eu. Everything in her life. Son frère était le premier député de Toumodi. Bon, ce sont les parents là qui ont construit Toumodi. Her brother was elle avait beaucoup de biens. He has many wealth. Des villas, piscines, tout ça aux deux plateaux. À l'époque, hein, s'il vous plaît. Houses, swimming pool. À Cocody, partout, Vadouin. In many areas. Aujourd'hui, je te parle. Today. La vieille vit dans un studio. She lives in a studio. Elle a perdu ses véhicules. She lost all her elle cars. A perdu ses maisons. She lost all her houses. Elle a tout perdu. She lost everything. Est-ce que tu connais l'histoire de ton sang? Do you know the history of your blood? Une femme qui prenait l'avion présidentiel pour aller faire ses courses à Paris et puis elle revient. A woman taking a presidential plane for shopping in France and she comes back. Vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Do you understand what I'm saying? Mon ami, my friend, si tu ne fais pas attention à ces détails, if you don't mind those details, ce que tu as aujourd'hui n'est rien. What you are today is nothing. Tu peux te faire rattraper et détruire. You can be caught up sans même destroy. Que tu ne saches comment et pourquoi ces choses se sont arrivées. Without you knowing how and why. Je te prêche ce message. I'm preaching this message. Parce que j'ai entendu cet après-midi. Va et arrête des punitions sur la lignée de quelqu'un ce soir. Je veux juste arrêter ça. I just want to stop the limitation. C'est ça mon mandat. Je veux juste arrêter une punition ce soir. I just want to stop a punishment in your life. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Do you understand what I'm saying? Si là-bas eux ils n'arrivent pas à entrer. If they cannot succeed. Et puis regardez la chose. C'est tellement vrai. It's so true. Ma propre mère n'a pas échappé à la règle. My own mother didn't escape the rule. Parce que ton fils est un bishop. Tu as le sang de qui? Whose blood do you have? Touche ton voisin. C'est pas une question de parler en langue. That your neighbor and tell him is not a question of speaking in tongue. Qu'est-ce que tu as dans tes gènes? What do you have in your genes? C'est de ça que je te parle. Is what I'm talking about. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Do you understand me? Qu'est-ce que tu as dans tes gènes? Qu'est-ce que tu as dans tes gènes? What do you have in your genes? Alléluia! Si on ne traite pas ce point là, if you don't deal with this point, tu peux atteindre des hauteurs. You can have et avoir une chute libre et revenir à la case de départ. You can have good position and mais dans cette maison dénommée Église Ambassade des Miracles, in this house, c'est une chose qui ne t'arrivera jamais. It will not happen parce to you. Qu'on t'enseigne ce qu'il faut pour que cela ne t'arrive pas. Because you are taught what you need. Lève la main, donne-moi un bon amen et reçois cela. Say amen and receive.
Je te vois réussir là où tes parents ont échoué. Je te vois atteindre des hauteurs qui n'ont jamais réussi à atteindre. Je te vois atteindre des sommets qui n'ont jamais réussi à atteindre. Les mauvaises transactions qui les ont privés de l'honneur. Crois-moi, à partir de ce soir, ces transactions seront résolues, anéanties. Tout ce qui est mauvais sera anéanti dans ta vie. Lève-moi la main et donne-moi la main qui atteint le troisième ciel. The bad transaction will be destroyed tonight. Il faut qu'on soit honnête. We have to be honest. Pour nous qui prêchons l'évangile aujourd'hui. For we preaching the gospel today. Je m'excuse. Sorry. Mais il y a des messages qui ne marchent plus. But there are some messages which are no longer valid. Jésus est venu décharger ceux qui sont chargés et fatigués. Jesus came to unburden those who are tired. La parole qui marche, c'est la parole qui te décharge. The word that work is the one that unburden you. Il est venu donner le salut. He came to give us salvation. Number one. Numéro un. Et number two, il est venu nous guérir de nos infirmités. He came out to heal us from our infirmity. Pas seulement nous donner le salut, mais nous guérir de nos infirmités. Not only for salvation, but for, to heal un our infirmity. Un homme qui a des mains qui ne peut pas utiliser est infirme spirituellement. If you have hands and you cannot use them, you are un homme qui a un cerveau qui ne fonctionne pas comme il devrait, pour lui redonner en retour, n'est-ce pas, le succès, la réussite dans sa vie, mais il est infirme. If you cannot use properly your brain, it means that you cripple. Un homme qui a des pieds et qui n'arrive pas à avoir de possession, il est infirme. If you have feet and you cannot have possession, it means that you cripple. Dans cette maison, in this house, les membres qui ont été coupés pousseront à nouveau par la puissance de Dieu. Il n'y aura aucun infirme dans cette maison au nom de Jésus. We'll have no cripple. Dis amen pour toi et toutes les générations qui sortiront de toi. Amen. Je ne sais pas si c'est à toi que je parle. I don't know if I'm talking to you. Je répète, je ne sais pas si c'est à toi que je parle. I don't know if I'm talking to you. Je répète, je ne sais pas si c'est à toi que je parle. I don't know if I'm talking to you. Je répète, je ne sais pas si c'est à toi que je parle. I don't know if I'm talking to you. Les autels ont sponsorisé certaines souffrances dans nos vies. The altars have sponsored some suffering is not our life. Mais ce soir, je vois la puissance de Dieu descendre. I can see the power of God coming dans tonight. Tes origines et sur les autels qui t'ont contrôlé négativement. In your origin and your negative. Il y aura changement et il y aura permutation par l'autorité de Dieu. There will be a change and permutation by the authority of God. Ce qui t'a contrôlé négativement va être calciné par la puissance de Dieu. What master you negatively will be destroyed. Donne-moi un amen et je libère. Say amen. Je ne sais pas quelle est l'histoire établie d'une manière schématique dans ton sang et dans ta vie. I don't know the kind of a pattern was drawn in your history. Mais ce soir, but tonight, je te déconnecte des Ouattara, je te déconnecte des Kwasi, je te déconnecte, je ne connais pas ton nom de famille, je te déconnecte de ces hommes-là en esprit au nom de Jésus. Levez la main et criez, je me déconnecte. I release you from any kind of evil connection tonight. Non, tu ne peux pas rester là. You cannot remain here. Si eux ils ne se marient pas, toi tu dois te marier. If they don't get married, you'll get married. Si eux ils n'avancent pas, toi tu dois avancer. If they cannot go ahead, you'll si move. Eux ils ne réussissent pas, toi tu dois réussir. If they don't succeed, you will succeed. Je vais te le dire en d'autres termes. I'm going to say it in another term. Église ambassade et miracle. Miracle Embassy Church. Tu es le présent et le futur de cette nation. You are the present and the future of this nation. Je répète, tu es le présent et le futur de cette nation. You are the present and the future of this nation. Il y a des gens ici qui ont un appel national. Some here are a national calling. Et il y a des gens ici qui ont un appel international. And some here are international calling. Cette semaine, this week, crois-moi, believe me, si des hommes, if men, avec leur petite intelligence, with a little intelligence, et même sans Dieu, and without God, ont la capacité d'appuyer de petits boutons, has a possibility to press little button, et des satellites qui sont dans le deuxième ciel, and satellite in the second heaven, sont repositionnés, are repositioned, selon qu'ils désirent positionner ces satellites, according to the will, pour avoir une influence sur la terre, to have an influence on earth, ma prière, my prayer, est plus qu'un petit bouton, is more than a little button, qui peut repositionner ta destinée, it can change your destiny. Oh, tu n'es pas en train de me comprendre. Dans la droite ligne pour la gloire de Dieu.
C'est pourquoi à partir de ce soir, tonight, je déclare destinée repositionnée. Your destiny is repositioned. Par la vertu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je sens dans mon esprit que quelqu'un est en train de commencer à sortir des barrières. Tu ne t'arrêteras pas là où papa s'est arrêté. Tu ne t'arrêteras pas là où maman s'est arrêté. Tu ne t'arrêteras pas là où tes frères se sont arrêtés. Tu ne t'arrêteras pas là où tes soeurs se sont arrêtées. Tu ne t'arrêteras pas là où les membres de ta famille se sont arrêtés. Je décrète et déclare à partir de ce soir que tu vas plus loin que là où ils se sont arrêtés. La qualité de ton amen détermine ton accessibilité à cette bénédiction. You go further than where all the members of your family have stopped. Est-ce que je peux parler encore un tout petit peu? Can I speak just a little bit again? Écoute-moi très bien. Listen to me. La Bible dit. The Bible says. Dans le livre de 2 Samuel 3 verset 1. In the book of 2 Samuel 3 1. Il y eut guerre. There was war. Entre la maison de Saül. Between the house of Saul. Et la maison de David. And the house of David. Nous avons étudié Bethel et je vous ai dit que Bethel c'est un hôtel, la maison de Dieu. I said yesterday that Bethel is an altar, the house of God. Donc quand on parle de la maison de Saül et de la maison de David, on ne parle ni de Saül ni de David. When we talk about the house of Saul and David, we're not talking about Saul or David. On parle des hôtels de leur maison. We're talking about the altar or the house. Il y a guerre. There was war. Entre donc between les autels, the altars établis dans la maison de David, established in the house of David, contre ceux établis dans la maison de Saül. Against the one established in the house of Saul. Écoutez-moi, et la guerre dura très longtemps. And the war elle dura même après la mort de Saül. It even went after the death of Saul. La guerre continuait. The war carried on. Sur plusieurs lignées et sur plusieurs générations. Over many lineage and many generations. Écoute-moi très bien. Listen to me. Lorsque le temps pour quelqu'un est arrivé pour entrer en possession des promesses de Dieu, le règne des ténèbres intensifiera la guerre contre ta vie. The reign of the darkness will intensify the war against your life. Le destin prophétique. One of the prophetic signs. Pour que tu saches. For you to know. Que ton temps est arrivé pour expérimenter une gloire. That your time has come to experience. C'est l'intensification. Is the intensification. Des guerres sur le plan spirituel, spiritually speaking, des esprits qui livrent bataille contre ta destinée. Of a spirit fighting against your destiny. Mais j'aimerais te dire ceci. But I would like to tell you this. Lorsque le temps pour David était arrivé de briller, when the time for David has come to pray, les autels des Philistins, the altar of a Philistine, Goliath n'ont pas pu l'arrêter. Could not stop him. Les autels de la maison de Saül, the altar of the house of Saul, n'ont pas pu empêcher qu'il puisse être établi roi. Could not prevent him to be established. Ça lui a pris beaucoup de temps. It took a lot of time, mais il a fini par y arriver. But he succeeded finally. Écoute-moi très bien. Listen to me. Ça te prendra peut-être un peu de temps. It will take for you a little time. Mais moi je viens te dire. But I'm here to tell you. Qu'en cette fin d'année, in this end of year, tu y arriveras. You will succeed. Non, tu m'as pas compris. Non, tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Il y a une guerre dans ta famille qui dure depuis plusieurs lignées et depuis plusieurs générations. There is a war in a family lasting for many lineages and many. Ce sont des forces spirituelles. They are spiritual strengths. Qui opèrent contre ta destinée. Working against your destiny. Et qui travaillent pour te maintenir dans une situation désagréable. And working to take you in a bad situation. Et tu luttes et tu as lutté et tu continues de lutter contre ces forces. You struggle and you continue struggling against them. Et jusqu'à présent, tu n'as pas obtenu une victoire définitive. And you didn't have a permanent victory. J'ai envie de te dire ceci. I would like to tell you this. Associé dans la prière. Associated in the prayer. Sur cet autel. On this altar. Je te déclare. I'm declaring to avant you, la fin de ce message. Before the end of this message. Que tu auras une victoire écrasante sur les forces des autels de ta famille. You will have a strong victory on the strength of your family. La qualité de ton amen détermine ton accessibilité à cette bénédiction. J'ai envie de dire à quelqu'un like to tell somebody, qu'aujourd'hui, today, mercredi,
Wednesday, 9 novembre 2022, qu'il soit écrit mes paroles, may be written my words, en esprit sur ta vie, spiritually over your life, qu'elle soit lue, may they be read, cachetée par les sceaux du Saint-Esprit, sealed by the Holy Ghost, qu'il soit écrit en ta faveur, may be written in your favor, que ce jour that today marque la fin d'une crise dans ta vie et dans ta destinée. Is the end of a crisis in your life. Ça, ce sont des paroles qu'il faut enregistrer, qu'il faut sceller. Ça, ce sont des paroles qu'il faut enregistrer. J'ai dit ce jour. I say that today. Je vais répéter ce soir. Tonight. Marque la fin. Is the end. D'une crise. Of a crisis. Dans ta vie au nom de Jésus Christ. In your life in the name of Jesus. Sur les forces qui avaient pris avantage sur toi. Je te libère dans l'esprit. I release you spiritually. Je te libère dans le règne spirituel. I release you in the spiritual je te libère dans le règne humain. I release you in the human reign. Et je relâche ta destinée au nom de Jésus. And I release your destiny in the name of Jesus. Déclare amen et je libère la parole avec autorité. Amen. Il y a des étoiles dans cette maison. There are some stars in this house. Qui ont été stoppées. Which have been stopped. Par de mauvaises transactions spirituelles. By evil spiritual transactions. Des manipulations sur les hôtels de famille. Qui ont été paralysés. Which have been crippled. Some stars have been crippled. Par de mauvaises transactions. By bad transactions. N'est-ce pas? Qui les ont mis dans des situations difficiles. We put them in a difficult situation. Écoute-moi. Listen to me. Tu as réalisé jusqu'à présent you realize today, till today, que tes prières that your prayers t'avaient mise dans une position et dans une phase de transition. Put you in a step of transition. Écoute-moi très bien. Listen to me carefully. Je suis Bishop Ouattara. I am Bishop Ouattara. Serviteur de Jésus-Christ. Servant of Jesus Christ. Je te déclare en son nom. I'm declaring on his behalf. Qu'aujourd'hui, that today, c'est la fin d'une crise dans ta vie et dans ta destinée. It is the end of a crisis in your life. Tu n'es pas en train de comprendre ce que je dis. You don't understand what I'm je te vois sortir d'une transition. I can see you out et of accéder a à une victoire. And have a victory. Les hôtels de ta famille maintenant vont libérer ta destinée au nom de Jésus Christ. The altar of your family will release your destiny. Tu accèdes et tu accéderas. You will have access. À ce que tu cherchais en Jésus-Christ. What you were seeking for in je ne sais pas Christ. Si c'est à toi que je parle, mais je parle à des gens qui sont arrivés à un temps spécifique où il y a des choses précises qu'ils doivent vivre, qu'elles doivent vivre pour la gloire de Dieu. I'm talking to men who have to live specific things for the glory of God. Et c'est pour ces personnes and it's for this kind of men que je suis venu attaquer that I'm here to fight. Les hôtels qui te punissaient. The altar punishing you. Tu ne m'as pas dit amen. Say amen. Le temps de ta manifestation est arrivé. The time of your manifestation has le come. Temps de la sortie de la crise. The time of the exit of que mon Dieu m'entende. May my God hear me. Et qu'il fasse en sorte que tu deviennes de plus en plus fort. May be sure to make you dans ce pays, je te vois grandir en force. Je te vois grandir en puissance. Je te vois grandir en sagesse. Je te vois grandir en ministère. Je te vois grandir en autorité. Je te vois grandir en onction. You grow in wisdom, in authority and in anointing. La grâce grace est à l'œuvre maintenant. Is working now. Écoutez-moi. Listen to me. Voici mon dernier point. Here is my last point. Quand il y eut guerre. When there was war. Entre la maison de Saül et de David, et celle the de house David, of God, Saul and David, la Bible dit, the Bible says, il y a eu un fait étrange. There was something strange. Tandis que la maison de Saül, while the house of Saul, allait en s'affaiblissant, becoming weaker and weaker, la maison de David, the house of David, devenait de plus en plus forte. Became stronger and stronger. Ça. This, c'est une manifestation spirituelle. It's just a spiritual manifestation. Dans la compensation. In what you call compensation. Je vais t'expliquer ça vendredi. I will explain it to you on Friday. Il y a des choses qu'on va faire ici.
will do things here qui vont rendre tes ennemis très faibles, which will weaken your enemies, et qui vont te donner d'être de plus en plus fort, which will allow you to become stronger. Si c'est à toi que je parle, tu me réponds en déclarant amen. Tu deviendras de plus en plus fort sur le plan de travail, sur le plan du business, dans tes affaires. Tes forces s'accroissent et tu deviens de plus en plus fort. Donne-moi ton meilleur amen et reçois cette dimension de force. Je parle à une personne qui n'échouera plus jamais. J'ai dit, je parle ce soir à quelqu'un qui n'a plus le droit d'échouer. Tu sortiras de leur marmite de sorcellerie. Et je te vois devenir ce qu'ils n'ont jamais été. Donne-moi un amen que je libère la révélation. Donne-moi un amen et deviens de plus en plus fort. You will become what no one has ever become. La maison de David. The house of David. Je l'assimile à l'église ambassade des miracles. Elle devenait de plus en plus forte. It was becoming stronger and stronger. Et la maison de Saül and the house of Saul devenait de plus en plus faible. Was becoming weaker and weaker. Par la sainte autorité de Dieu. By the holy authority of je God. Ne sais pas dans quel domaine tu avais été affaibli. I don't know in what field were weaker. Mais je déclare tes forces renouvelées ce soir. Le diable ne t'arrêtera pas. Le diable ne te détruira pas. Ce n'est pas la saison pour tomber. Ce n'est pas la saison pour mourir. Ce n'est pas la saison pour démissionner. C'est la saison où tu deviendras très 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 fort. Ah, tu ne m'as pas donné un amen qui me permet de libérer. Je te vois devenir l'homme fort de ta famille. Je te vois dominer les forces des ténèbres dans ta famille. Tu deviens plus fort que l'homme fort. Tu deviens plus fort que l'homme fort. À cause de toi, ils vont tomber. À cause de toi, ils vont tomber. En cette fin d'année, je parle à un homme fort. Je parle à une femme forte. Je parle à une église forte. You become stronger and stronger. De là. And you'll be the strong man of your family. La gloire de Dieu est sur leur vie. The glory of God is on the la gloire de Dieu est sur leur vie. The glory of God is on the la gloire de Dieu est sur leur vie. The glory of God is on the j'ai life. Dit la gloire de Dieu est sur leur vie. The glory of God is on the tu life. Ne resteras pas dans cette faiblesse. You won't tu ne resteras pas dans la faiblesse de la misère. Laisse-la. Tu ne resteras pas dans la faiblesse, n'est-ce pas, de la destruction. Tu ne resteras pas. You won't tu ne resteras pas. Tu ne resteras pas. Donne-moi un amen fort. Tu ne resteras pas dans la faiblesse du célibat. Tu ne resteras pas dans la faiblesse de la misère. Tu ne resteras pas dans la faiblesse du chômage. Tu ne resteras pas dans la faiblesse de la stagnation. C'est la soirée de la force. Quelqu'un reprend des forces. Quelqu'un devient de plus en plus fort. Quelqu'un avance avec la force. Reçois l'esprit de force. Receive the spirit of strength because you're becoming more and more strong. Qui a dit amen et je libère? Say amen. J'ai dit qui a dit amen fortement? Amen. Qui a dit amen? Amen. Qui a dit amen? Amen. Qui a dit amen? Qui a dit amen plus fort? Say amen. Je suis en train de voir dans mon esprit. I can see in my spirit des gens qui sont en train d'être libérés. People who are being released. C'est comme des tyrans. Like tyrants. Des hommes forts. Strong men. Qui vous avaient maintenu sous leur captivité. Who hold them under their authority. Qui sont obligés de vous libérer ce soir. Who are forced to release you tonight. Alors ils sortent des hôtels de la maison de leur père. They come out of the ne les retenez pas. Le Saint-Esprit va les attirer ici. La gloire de Dieu te libère de la puissance des hôtels de la maison de ton père. The glory of God releases you from the house of your father. Elle te libère. It releases you de la puissance des hôtels de la maison de ta mère. Je libère ta destinée maintenant. Je
je relâche l'onction du Saint-Esprit. Reçois ta part. C'est la soirée de ta délivrance. C'est la soirée de ton émancipation. Maîtrisez-le. Reçois ta part. Maîtrisez-le. Tonight is meant for your freedom. Est-ce que je peux parler? Can I speak? Assez, c'en est assez. Enough is enough. Ils t'ont maintenu dans cette souffrance. They kept you in this suffering. En s'appuyant sur les autels de ta famille. Leaning on the altar of your family. Ils t'ont puni. They punished you. Mais la punition s'arrête ce soir. But the punishment is over tonight. La punition s'arrête ce soir. Punishment is over. Il n'y aura tonight. Pas de mort prématurée. No, il n'y aura death. Pas de destruction prématurée. No, il n'y aura pas d'arrêt de ta destinée. No, il n'y aura pas, il n'y aura pas, il n'y aura pas, il n'y aura pas, il n'y aura pas. C'est pourquoi à partir de ce soir, that's why from tonight, la main de mon Père commence à te libérer. The hand of my father's la force is venue. The strength has regarde, come. Tu as tellement de force you are so my strength, que l'homme fort ne peut plus te retenir. That no one can stop je you. Te libère des autels de la maison de ta I mère. Release you from the altar of your house te of libère des autels de la maison de ton père. Je t'affranchis au nom de Jésus-Christ. I set you free pendant que tu Jesus. Dis Amen, tu reçois ta délivrance. Maman Tania, des gens sont en train de sortir des hôtels. Le Saint-Esprit est en train de casser des hôtels. Les anges sont en train de casser des hôtels. Et des vies sont en train d'être libérées. 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 Lives are being released. Jesus Christ. Jésus-Christ. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Ils ne retiendront pas ton étoile. Ils ne te retiendront pas. J'ordonne ta sortie ce soir. Sors des hôtels de la maison de ta mère. Sors des hôtels de la maison de ton père. C'est le temps, c'est le temps. Ton heure est arrivée. C'est la fin de la crise. 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 In the end of the crisis. Le kataparupa. Ikalaba shanda kalaba aikapa. Le kotobo sita bakaya. Tu ne seras plus parmi les célibataires. You won't be among the single. Tu ne seras plus parmi les misérables. Aide-le, tu ne seras plus parmi les pauvres. You won't be among the poor. Tu ne seras plus parmi les bloqués. You won't be among the je débloque stopped. Cette situation. J'arrête la punition. J'arrête le punisseur. Je punis le punisseur. Je punis le punisseur. Je punis le punisseur. Je punis le punisseur. I punish those who punish. Jesus Christ. Jésus Christ. La gloire de Dieu est ici. The glory of God is here. La gloire de Dieu est ici. The glory of God is here. Les Philistins n'ont pas arrêté David. Philistines could not stop David. Les hôtels de la maison de Saül n'ont pas arrêté David. The altar of the house of Saul could not stop David. L'hôtel familial. The family altar. L'hôtel national. The national altar. N'a pas pu l'arrêter. Could not stop him. Je gère les deux à la fois ce soir. I manage tous les hôtels sur le plan familial. All your family altars. Et les hôtels sur le plan national. And the national altar. Qui travaillent à te limiter, à te bloquer. Working to stop you. Qu'ils soient calcinés par le feu du Saint-Esprit. Qu'ils soient calcinés par le feu du Saint-Esprit. Je libère ta destinée ce soir. Ah, des vies sont en train d'être libérées. Ah, des vies sont en train d'être libérées. Ah, des vies sont en train d'être libérées. Ils sortent des prisons sataniques. Ils sortent des hôtels démoniaques. Ils sortent. J'ai dit sortez. Come out of satanic prisons. Cette soirée est une soirée de destinée.
Tonight is a night of a destiny. C'est une soirée de repositionnement. It's a night of repositioning. C'est une soirée de bénédiction. It's a night of blessing. C'est une soirée de transformation. It's a night of transformation. La gloire de mon Père est sur toi. The glory of my Father is on you. Ça ne peut pas continuer. It cannot carry on. Ton grand-père était puni. Your grandfather has been punished. Ton père a été puni. Your father was punished. Tes frères ont été punis. Your brothers were punished. Tes sœurs sont punis. Your sister was punished. Ça ne peut pas continuer avec toi. It cannot go on. Ça with ne you. Doit pas continuer avec it toi, mon shall fils. Not carry on ça with doit you. S'arrêter avec toi. It shall stop tu as you. Le droit d'avoir le bonheur. You have the right. Tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit de prospérer. Ça doit s'arrêter. It shall stop. Levez les deux mains. Lift up the two hands. Et dites avec moi cette prière. And say with me the following prayer. Père, Father, ta parole est la vérité. Your word is a truth. J'ai appris ce soir. I learned tonight qu'il existe des punitions. That we have punishments dans chaque famille. In each family. Qui sont le fait des gardiens des autels. Which are the work of the keepers of altars. Et ces punitions and those punishments m'introduisent dans des limitations. Introduce me in some limitation. Pendant que je prie ce soir, as I'm praying tonight, je me déconnecte. I disconnect myself de tout système of any kind of system de punition of punishment établi dans la maison de mon père. Established in the house of my father. Les Ouattara. Et dans la maison de ma mère. And in the house of my mother. Les dialogues. Je déclare ce soir. I declare tonight. Par la sainte autorité de Dieu. By the holy authority of God. Que pendant que je prie. That as I'm praying. Et que je bats des mains. And I clap my hand. Que ces punitions soient annulées. These punishments are cancelled. Détruites. Destroyed. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je vous donne 3 minutes. Ferme les yeux. Et monte dans la prière comme pray, jamais tu ne montes. Je veux te voir prier avec énergie. Est-ce que tu peux prier? Main droite. Lift up the right hand. Dites avec moi toute voix dans mon sang. Any voice in my blood. Qui parle contre moi. Speaking against me. Et travaille pour m'induire en erreur. And working for me to make mistakes. Toute voix dans mon sang. Any voice in my blood. Qui me dirige vers la punition. Leading me to punishment. Des gardiens des autels. Of the keepers of altars. Se taise à jamais. Be silenced forever. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Combat maintenant la voix des autels qui parlent en toi. La voix de ton sang. Combat maintenant. Fight the je voice te donne 3 minutes à haute voix. Eh, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Comment tu pries? Comment tu pries? Est-ce que tu pries? Combat la voix de ton sang. Combat la voix qui parle dans ton sang.
combat, condamne-moi ces voix-là. Arrête-les. Détruis-les. Ouvre la bouche et parle. Au nom de... Dernière prière. Last prayer. Levez la main droite. Dites avec moi. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Tout programme. Any program. Établi comme un chemin. Established as a pattern. Dans lequel ma vie rentre. In which my life is. Mais qui est un chemin négatif. Which is a negative pattern. À partir de ce soir. From tonight. Par l'autorité du nom de Jésus. By the authority of the name of Jesus. Je détruis ce chemin. I destroy this pattern. Sur ma vie. On my life. Et je sors de lui. And I come out of it. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Pendant que je prie. As I pray. J'attaque les règles. I fight the rules. De vie. Of life. Sur plusieurs générations. Over many generations. De mes aïeux. Or my ancestors. Sur un plan négatif. Negatively. J'attaque le chemin. I fight the pattern. La coupe donnée de génération en génération. Of a cup given from generation to generation. Pour détruire nos vies. To destroy our lives. Père. Father. Que les anges. May the angels. M'assistent dans ce combat. Help me in this fight. Et opère pour ma délivrance. And work for my deliverance. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Pendant que je prie. As I pray. Que je bats des mains, and I clap my hands, je sors de ce chemin I come out of et je pattern, détruis ce chemin. And I destroy it. C'est, tu as 3 minutes. 3 minutes. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec cette prière. Ne joue pas avec cette prière. Prie, prie, prie. Plus fort. Levons nos mains. Let's lift our hands. Nous sommes en combat spirituel. We are in a spiritual warfare. Levons les mains très haut. Lift our hand higher. On va faire comme lui ou comme elle. Pendant une minute, tu vas le dire. Je sors d'une manière très 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 violente. I come out loudly. Au nom de... Levez bien la main. Lift out the hand again. Il y a des lignes qui ont été franchies au devant de ta vie par ton propre sang que tu n'as pas réussi à franchir jusqu'à ce soir. Some lines have been crossed by your blood that you couldn't cross till today.
La ligne a déclaré tout le monde doit s'arrêter là. The line says everybody shall stop here. Je me tiens dans mon appel en tant qu'évêque. I stand in my calling as a bishop. Sur l'autel de l'église ambassade des miracles. On the altar of a miracle embassy church. Je parle sur cet autel contre les autels qui ont parlé contre toi. I speak on this altar against the altar that spoke against you. Et je déclare au nom de Jésus-Christ. And I declare in the name of Jesus. Autel contre autel. Altar against altar. Que ces autels qui parlent contre toi aient leur corne cassée par la corne de cet autel. May the horn of the altar speaking against you be broken. Je déclare au nom de Jésus-Christ. I declare in the name of Jesus. Que tout chemin satanique. Any satanic pattern. Dans lequel ta vie était engagée. In which your life has been put. Pour reproduire une mauvaise histoire. To reproduce a bad history. À partir de ce soir. From tonight. Je commande que tu sortes de ce chemin au nom de Jésus-Christ. I command you to come out. Levez la main, criez, je sors. Say I come out. Maintenant que tes mains sont levées. Now that your hands are up. À partir de ce soir. From tonight. Quelqu'un dit son nom à haute voix. Say your name. Le schéma établi qui a créé une bataille pour l'aspect mariage dans ta vie. The pattern that was established to stop the marriage in the family. Je déclare la victoire dans cette bataille sur ta vie ce soir. I declare victory concerning your marriage. Quelle que soit la complexité de ce chemin. Whatever the difficulty of this pattern. Je déclare que tu sortes là ce soir au nom de Jésus Christ. I declare that you come out in the name of Jesus. Tout chemin satanique. Any satanic pattern. Qui tue tes semences. Killing your seed. Qui tue tes enfants. Killing your children. Et qui t'empêche d'en avoir. And prevent you to have. À partir de cette minute. From now. Je combats la complexité de ce chemin. I fight the complexity of the pattern. Et je l'annule sur ta vie au nom de Jésus Christ. Je l'annule sur ta destinée au nom de Jésus Christ. I cancel. Je l'annule sur ta destinée au nom de Jésus Christ. I cancel it on your destiny. La complexité du chemin. The complexity of the pattern. Qui t'empêche de prospérer. Preventing you to be prosperous. Librement comme le Seigneur le veut. Freely as God will. Je lève la main sur toi. I lift out a hand on you. Et je dis, and I say, si ton sang t'en avait privé, if your blood prevented you, que le lien spirituel, may the spiritual link, et l'onction de cette maison, and the anointing of this house, détruisent cette privation sur ta vie, au nom de Jésus Christ. Je ne sais pas si c'est à toi que je parle, I don't know if I'm talking to you, mais je te libère de toute privation satanique. Je libère Ange Désiré Apia de toute punition démoniaque. Je libère Karel de toute punition satanique. Je libère Dominique de toute punition démoniaque. Je libère Ange. Je libère Rachel. Je libère Jean. Je libère Daniel. Je libère Olivier. Je libère César. Je libère quelqu'un ici de toute punition satanique. Je libère Lucien de toute punition démoniaque. I release you from any kind of demonic punishment. Lève les mains. Raise the hands. La puissance de Dieu est ici. The power of God is here. Elle est en train de briser des corps. It is breaking some horns. Elle est en train de libérer des vies. It is releasing lives. Si tu t'appelles Olivia, je te libère, n'est-ce pas, de toute punition satanique. I release Olivia. Désiré, je te libère de toute punition satanique. I release you from. Aimé, sois libéré. Est-ce que tu peux prononcer ton prénom? Say your name. Idriss. Say your surname. Sois libéré de toute punition satanique. Je libère ta vie. Je relâche ta vie. Je proclame ta délivrance. Attention, la gloire arrive maintenant. Reçois ta part. Reçois ta part.
I release your life from any kind of demonic curses. Receive your portion. La gloire de Dieu est ici. The glory of God is here. Regarde-moi. Look at me. Ce qui t'avait détruit. What destroyed you? Est maintenu en bas. And put you at a low position. Qui t'avait gardé en bas. We kept you at a low position. Regarde-moi. Look at me. Cette force. This strength. Vient d'être enlevée ce soir. Is removed tonight. Et dis, tu n'as pas bien dit amen. Je dis cette force. Je répète cette force. Je confesse cette force vient d'être enlevée sur ta vie au nom de Jésus. Enlevée sur ta vie. Supprimée ce soir. Supprimée ce soir. Supprimée ce soir. Supprimée ce soir. Reçois ta délivrance. Reçois ta libération. Reçois la puissance de Dieu. Et rentre là où tu n'avais pas le droit de rentrer. Lève les mains, crie, je rentre avec violence. Dis-le encore. Dis-le une dernière fois. Au nom de... The evil strength is removed and you enter. La saison a changé. The season has changed. La saison a changé. The season has changed. La saison a changé. The season has changed. Je répète, la saison a changé. The season has changed. Je répète, la saison a changé. The season has changed. Je ne sais pas ce qui t'avait maintenu en bas. I don't know what kept you at the low position. Mais à partir de ce soir, but from tonight, cette réalité n'a plus de poids sur ta vie. This reality doesn't have any way on tu you. Deviens plus fort que la force qui t'avait maintenu à terre. You become stronger. Tu deviens plus fort que la force qui t'avait maintenu en bas. You become stronger je than te the vois strength. Plus fort ce soir. I can see you become ah, strong. Il risque de se passer des choses terribles pendant ton sommeil cette nuit. Terrible. Tes destinées sont en train d'être repositionnées. Les anges sont libérés dans toutes les directions. La puissance de Dieu est à l'œuvre. The power of God is working. The power of God is working. Glory to Jesus. I'm a success. Je suis un succès. Dis-le avec moi, je suis un succès. Est-ce que tu crois ce soir qu'il y a une punition qui a été anéantie? Do you believe that a punishment has been canceled? Est-ce que quelqu'un croit ce soir qu'il est sorti d'une crise? Do you believe that you have come out of a crisis? Non, tu me comprends pas. Je dis, est-ce que tu crois que tu es sorti d'une crise? Do you believe that you are out of a crisis tonight? Wow. Thank you, Jesus. Merci, Jésus.